l'équipe de l'Olympiakos qui ne trouve plus aucun joueur. Aïe, 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 aïe. Exploit. Ils sont obligés de marquer grâce à des exploits. Goldwire vient d'en faire un. Ils ne peuvent marquer que grâce à des exploits individuels. Collectivement, ils sont à la rue. Il n'y a aucune passe qui arrive dans les bons timings. Ils ne peuvent s'en remettre qu'à leur joueur extérieur pour le moment pour pouvoir tenir à peu près le score contre Villeurbanne. Face à une défense comme l'Asvel et surtout la hargne de ces joueurs qui sont tous vraiment des gagneurs. Attention quand même de ne pas les sous-estimer. Rebond pour Tarlac avec Tomic. Ok, avec beaucoup d'expérience, provoque la deuxième faute d'Alain Digbeu, mais permettez-moi de dire que les deux fautes sifflées contre Alain sont un petit peu sévères tout de même. Même s'il réduit la distance, mais des actions comme ça en défense, il y en a à peu près 50 par rencontre de Euroleague. On va être un peu chauvin aujourd'hui. Et même encore plus que d'habitude. Et là, du coup, c'est Greg Beugnot qui demande à son tour son premier temps mort, sachant que l'Asvel est bien, enfin, bien parti, du moins, contre-performance. Mais c'est une très très grosse équipe, 9 fois champion de Grèce et 5 fois consécutivement, entre autres, entre 92 et 97. Attention, c'est l'une des meilleures équipes du basket européen, avec l'un des meilleurs budgets également, autour des 100 millions de francs, quand on sait que l'Asvel, ça tourne autour des 40-45. Nouvelle interception d'Alain Digbeu, récupération d'Aaron Henry. Et visiblement les consignes c'est de jouer tranquillement. Il y avait peut-être un coup de contre-attaque, on a vu d'Aaron Henry tranquille attendre son meneur de jeu de la Nérode. Contrôle du tempo. Henry à 3 points. Rebond pour Komazec. Pas de réussite pour Komazec qui en est à 0 sur 4 dans ses shoots. Et contre-attaque pour l'Asvel, belle passe de Digbeu pour de la Nérode. Superbe. Pour l'instant, sur le parquet, il y a une équipe d'un côté, elle est verte. Et de l'autre côté, 5 individualités pardon, qui n'arrivent pas, comme vous le disiez encore, à jouer ensemble. Dimitri Papanikolaou va venir en jeu. Peut-être à la place de Komazec. Goldwyer. Tarlac. Oh, qui vient dunker sur Dragan Henry qui était pourtant venu pour essayer de tenter de faire une faute sur Dragan Tarlac. Mais cet homme est l'un des meilleurs intérieurs en Europe. Dragan Tarlac. Crawford Palmer lui a un petit peu ouvert la ligne de fond et il s'est engouffré dans cette brèche et il a écrasé la balle sur la tête de Palmer. Attention à Dragan Tarlac. 2m10, c'est très très costaud Tarlac. Alain Digbeu. Rebond avec cette claquette de la Nérode et c'est sauvé. Non, de Jim Bilba, pardon, c'est sauvé par Rod derrière. Ah, ils sont bien dans le match. Et là, il y avait peut-être une faute de Goldwyer sur de la Nérode. Quand on siffle les deux fautes de Digbeu tout à l'heure, là, on peut siffler celle sur Goldwyer. Mais tiens, il est puni. C'est le bon Dieu et rebond pour Crawford Palmer avec de la Nérode. Alain Digbeu, pardon, décidément. Interception de Tomic et en revanche, la faute derrière est bel et bien sifflée. Alors, est-ce que c'est la faute à Dernery ou la troisième, j'ai bien peur. Non, elle est pour Crawford Palmer. Elle est pour Palmer. Et Mustapha Sonko va entrer sur le parquet. À la place d'Alain Digbeu. Papanikolaou, quant à lui, est également rentré à la place de Komazec. Donc, on peut se dire, c'est Komazec avait un petit peu joué tout seul ces 7 premières minutes. Un petit peu seul, un petit peu soft aussi. Et alors que Dimitri Papanikolaou, lui, est beaucoup plus dur. C'est pas un grand shooter. Mais attention à sa force de percussion, quand il a décidé d'aller au panier, rien ne peut l'empêcher de s'arrêter. Le voici, numéro 7, Papanikolaou, souvenez-vous, c'est lui qui avait failli jouer, qui était allé au Kinder Bologne l'année dernière, mais qui n'avait pas joué, qui était reparti au Stol Olympiakos, pour une histoire d'âge et certainement avec un petit peu d'argent derrière. Et Papanikolaou est revenu dans son club, où il a re-signé pour une longue durée. C'était un des deux leaders de l'équipe championne du monde junior avec Renzias qui joue à Barcelone et Dimitri Papanikolaou avait été un des All-Stars de championnat du monde d'un niveau extraordinaire puisqu'il y avait quand même Stephen Marbury côté américain et d'autres énormes joueurs comme Aaron Traer qu'on pourra voir aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Enfin, tout un tas de joueurs vraiment monstrueux qui avaient dominé de la tête et des épaules tout le championnat du monde. De la Nérode avec Mustapha Sonko. Jim Bilba rejoue avec Sonko. Rudd. Ah, superbe circulation de ballon et très très bonne position de shoot pour Darren Henry.
Et l'Olympiakos qui essaye de troubler le jeu collectif de Villeurbanne en alternant les défenses, mais qui ne s'y retrouve pas. Alors que Villeurbanne, par contre, a une maîtrise totale de son jeu de passe et trouve Darren Henry pour des tirs à 3 points seul. Et quand Darren Henry est seul, c'est 3 points à tous les coups. 2 sur 3 pour Henry. Et avantage à l'ASVEL dans ses 10 premières minutes. Goldwyer, Arsena Demensa est parti s'échauffer. Mais attention, parce que je me souviens du premier match d'Euroleague cette saison sur notre antenne. C'était le gros choc entre Kinderblon et l'Olympiakos. L'Olympiakos avait été relativement soft en première mi-temps. Goldwyer, on disait, oh, il est coup-ci, coup-ça. Et finalement, en deuxième mi-temps, point à 12. Pourvu que ça dure. Remise en jeu pour Crawford Palmer. Toujours sur le parquet. A priori, la défense est montée d'un cran. Goldwyer va chercher de la Nérode très loin. Et Arsena Demensa doit s'occuper de Mustapha Sonko. Et quelque part, ça fait plaisir de voir des duels franco-français à un poste en basket. On en parle tellement en football. Là, les joueurs français sont partis à l'étranger. Certains, du moins, tentent leur chance. Et avec succès, en Grèce, il y a Hugo Kansai, il y a Fred Forte, Howard Carter. Et maintenant, Arsena Demensa et son coach dit que c'est une perle parce que lui au moins apporte l'enthousiasme et c'est ce qu'il manque dans cette équipe. Et maintenant les Français peuvent aller jouer dans quasiment n'importe quel club en Europe. C'est évident parce que le championnat grec est un des plus relevés d'Europe, en tout cas pour les 4-5 premières équipes. Et puis ensuite les Français ils sont loin d'être ridicules dans les clubs du milieu de tableau. La preuve avec Forte, Howard Carter et tout un tas de joueurs encore qui peuvent faire la différence. Quand on voit la saison d'Antoine au Kinder Bologne ou celle de Yann Bonato qui se refait une santé en Italie, on pense que maintenant nos joueurs sont tout à fait, entre guillemets, bien sûr, exportables. Le danger, c'est que ça pille un peu les clubs français, mais on l'a vu en football, les clubs français sont toujours là. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en basket. Papa Nicolaou. J'ai le sentiment qu'Ivkovic a mis le 5 de guerriers, de joueurs qui avaient envie de jouer et de mettre quelques brins, comme on dit un petit peu dans le jargon, avec Papa Nicolaou, avec Oberto, avec Tarlac et avec Arsène Ademensa, réputé pour être un défenseur hors pair. Et voilà l'exemple de joueur type dont l'impact ne se voit pas par les statistiques. Faute de la Nérode sur Goldwyer. Oh, attention à ne pas prendre de faute technique puisque M. Radic a sifflé. Mais c'est vrai que pour l'instant, les coups de sifflet sont un petit peu durs tout de même. Même si celui-là, il est indiscutable. Il ne faudrait pas que de la Nérode donne des raisons à M. Radic de lui mettre rapidement une technique. Non, mais en plus, ce jeu rapide de l'Olympiakos, ça a réveillé le public. Donc il faut absolument faire attention de ne pas donner des contre-attaques. Il faut assurer le repli défensif. Prendre les tirs comme l'a pris de la Nérode, c'était un tir ouvert, il n'y a aucun problème. Le problème derrière, c'est le repli défensif. L'organisation doit être beaucoup plus rapide que celle-ci pour pouvoir contrer le jeu rapide et empêcher les joueurs de l'Olympiakos de s'enflammer, au public de s'enflammer et à l'arbitre de donner des bonnes raisons de siffler des fautes antisportives ou même des fautes personnelles comme ça a été le cas. C'est franc pour Arsena Demensa. Et plus 8 maintenant en faveur de l'ASVEL qui mène 24 points à 16. Laurent Pluvy, pardon, on l'a vu en même temps. Pour calmer un petit peu les esprits et faire reposer un petit peu de la Nérode. Henry, faute d'Oberto sur Darren Henry, ça confirme ce que vous disiez. C'est un joueur très très fort, notamment qui a des grosses qualités offensives, un gros gabarit, mais qui est encore un peu, si on peut dire, naïf, il prend beaucoup de fautes. Il est en formation en Euroleague, mais à n'en pas douter, dans 2 ans, ça sera vraiment un des pivots majeurs de cette compétition. Puisque c'était la star en Amérique du Sud, Fabricio Oberto, meilleur joueur sud-américain, l'ancien d'Atenas de Cordoba, que les plus grands clubs s'arrachaient à l'intersaison, qui a opté pour l'Olympiakos. Tarlac. Ça fait 2 fois qu'on donne la ligne de fond à Tarlac, il faut absolument l'orienter sur l'aide, parce que sinon, si Crawford Palmer lui ouvre la ligne de fond à chaque fois, ça devrait être 2 points pour Dragan Tarlac, qui utilise ce mouvement à la perfection, un petit peu à l'image de ce que fait Rebraca avec Trevis et avec l'équipe nationale de Yougoslavie. Nouveau lancer franc pour Dragan Tarlac, qui lui a été naturalisé grec en 90, et c'est la 3e faute de Crawford Palmer, remplacé par Jean-Gaël Perceveau.
également arrivée de Georgie Adams pour Darren Henry. Tarlac qui a re-signé pour 3 saisons Olympiakos pour 2 millions de dollars, mais avec une clause NBA à l'issue de la deuxième année. D'ailleurs, le scout des Bulls en Europe trouve que Tarlac perd son temps, il aimerait bien l'avoir rapidement. J'imagine qu'entre Cornel David et Dragan Tarlac, il doit y avoir quand même un petit peu d'écart. Cornel David qui restera dans les mémoires pour être le premier joueur hongrois à avoir évolué en NBA. Faute d'Arsène Ademensa sur Mustapha Sonko. Mustapha Sonko qui joue à la Komazec, qui va défier dans le jeu intérieur son adversaire direct. Il sait qu'il domine en taille. Environ 5-7 cm de plus qu'Arsène Ademensa. Et puis en plus, il est très fort dans la dextérité, dans l'impulsivité dès qu'il a le ballon. Donc ce serait difficile pour Ademensa d'arrêter Sonko une fois qu'il a le ballon. Adams avec Jim Bilba. Mustapha Sonko. Contré par Dragan Tarlac. Récupération Ademensa. Et faute derrière de Mustapha Sonko. Attention parce que l'ASVEL a atteint le quota des 8 fautes d'équipe et qu'à chaque faute maintenant ce sont 2 lancers francs pour les joueurs grecs. Comment se faire contrer? Alors que tout à l'heure on a bien vu de l'année d'aller au contact et ne pas se faire contrer. La Mustapha Sonko ne va pas au contact. S'il prend le contact avec Dragan Tarlac, soit il y a faute, soit il y a panier, mais en tout cas il ne se fera pas contrer d'une façon aussi évidente. Il faut absolument, pour éviter cela, il faut aller ne pas hésiter à aller au contact, défier les joueurs, jouer en percussion. Un rebond offensif pour Papanikolaou. 3 sur 4 au total pour Arsène Ademensa et le 5 qui fonctionne mieux à Olympiakos puisque les Grecs sont revenus à 4 points. Et une nouvelle faute s'y fait contre Sonko. Ça va faire deux nouveaux lancers francs et toujours pour Arsène Ademensa qui a provoqué déjà 3 fautes depuis son entrée en jeu et qui va shooter ses 5e et 6e lancers francs. Tiens, il lui a ajouté un H à Mustapha Sonko dans son nom de famille. Arsène Ademensa, dont ton confrère à l'équipe avait réservé une belle demi-page aujourd'hui. Il va bien en Grèce, Arsène Ademensa, il est très très content, il apporte l'enthousiasme dans l'équipe. Il est venu ici pour gagner toujours des titres, hein, si possible. Ses stats en Euroleague, c'est 2.4 en 12 minutes de temps de jeu. Mais vraiment, c'est un joueur de collectif, Arsène Ademensa, il a des missions, il a arrêté l'arrière adverse et ma foi, c'est pas un hasard si Antibes a été champion de France avec lui, si le PSG l'a été également, il y était pour quelque chose. On a besoin de joueurs comme ça, comme lui, comme Jim Bilba. Ce ne sont pas des joueurs de stats, mais qui apportent énormément, qui ont un rôle précis, exactement. Un role player, mais chaque équipe en a besoin et c'est les équipes qui ont des bons role players qui gagnent les titres, ce qu'avait fait Antibes l'année où ils avaient été champions. Faute d'Arsène Ademensa qui était bien pressant là sur Jim Bilba. Ivkovic qui met la pression sur les arbitres en disant quoi, comment ça à faute. Mais bon, on a sifflé déjà 10 comme ça à l'ASVEL depuis la première mi-temps. Calmez-vous Doussan. On voit que la pression monte, il y avait deux blancs autour d'un vert avec Ademensa qui est un feu follet, qui est toujours dans les jambes de tout le monde et qui était venu piquer ce ballon avec en accrochant un petit peu le bras pour le bien des Villeurbanais. Un mise en jeu pour l'ASVEL puisque au contraire des Français, les Grecs n'ont pas encore commis leurs 8 fautes. Rappelons peut-être pour ceux qui regardent pour la première fois un match de basket que vous avez le droit de faire 7 fautes et à la 8e, quelle que soit la faute, vous bénéficiez de lancers francs. Donc c'est un avantage certain. Ademensa face à Laurent Pluvy. Tarlac. Roberto, Tomic, pour Papanikolaou à 3 points. Aïe, 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 panier à 3 points de Papanikolaou. Et ça y est, Olympiakos maintenant est dans le match. Ils sont revenus, l'ASVEL qui menait 24-12 à un moment donné. Et encore une fois, Papanikolaou, ce n'est pas du tout sa spécialité. Sa spécialité, c'est la percussion, le drive. Et là, s'il commence à mettre des tirs de loin, ça va être très difficile pour Villeurbanne. Il faut absolument contrôler le rythme de l'attaque de l'Olympiakos. Ils viennent d'encaisser un 13-0, les joueurs de Greg Beugnot. Greg qui demande immédiatement son deuxième temps mort. Pour Palmer, 2 pour Sonko, 2 pour Digbe. Et ballon pour Olympiakos. Avec Milan Tomic. Et
Et avec une défense de zone mise en place par Villeurbanne. Ademensa, interception dans les mains d'Arsène Ademensa. De Georgi Adams, de Jean-Gaël Perceveau, pardon, Jean-Gaël Perceveau avec Laurent Pluvy. Décidément, je n'arrive pas à mettre les bons noms aujourd'hui. Ça va me revenir. Arsène Ademensa qui colle au basque de Laurent Pluvy. De Lannerud à 3 points, pas de réussite pour Lannerud, mais nouveau rebond en faveur de l'ASVEL avec Laurent Pluvy. Jean-Gaël Perceveau ressort pour de Lannerud. Pression défensive de tous les instants maintenant de la part de l'Olympiakos. Adams à 3 points et faute pour Roberto peut-être sur Jean-Gaël Perceveau au rebond. Tout à fait, faute de Fabricio Roberto, sifflé par Monsieur Bettencourt. Jean-Gaël Perceveau qui avait réussi à prendre la place pour la position préférentielle au rebond. La position normalement c'est il faut toujours être entre son adversaire pour le défenseur et le panier. Et bien cette fois-ci c'était l'attaquant qui était entre le défenseur et le panier. Bien placé Jean-Gaël Perceveau qui provoque la faute de Fabricio Roberto. Toujours pas la 8ème, donc encore une remise en jeu avec de Lannerud, bonne passe pour Jean-Gaël Perceveau et la faute derrière d'Arsène Ademensa. Deuxième faute pour Ademensa, tout comme Roberto derrière le numéro 14 qui compte déjà deux fautes et lancé franc maintenant pour Jean-Gaël Perceveau. Allez, un petit peu de réussite. Il y a des petits signes là, les rebonds qui nous viennent dans les mains. Ce petit lancer franc qui rentre. 1 sur 2 pour Perceveau et rebond pour Roberto. Et 3 minutes 20 à jouer. 25 partout, Papa Nicolaou. Ça c'est des fautes qui n'amènent vraiment rien, ça ne sert pas à grand chose de faire des fautes loin du panier. Même si Laurent Pluvy a été un petit peu victime de l'agressivité de Papa Nicolaou, on le connaît bien Papa Nicolaou, donc il ne faut pas vraiment aller le chercher, il faut le contrôler, toujours rester encore une fois entre lui et le panier pour pouvoir contrôler sa course et son agressivité. Sinon si on va vers lui, à chaque fois il va lui aussi au carton et c'est généralement l'attaquant qui a gain de cause dans ces cas-là. Oui, on s'est franc réussi pour Papa Nicolaou. Sur deux, c'est bon signe. Rebond autoritaire de Jean-Gaël Perceveau. Et 26-25 alors qu'Ivkovic est en train de donner quelques consignes à Goldwyer qui va revenir sur le parquet. C'est Milan Tomic qui défend sur de Lannerud. Ademensa, décidément. Laurent Pluvy. Et rebond pour Ademensa. Et cette fois-ci c'est lui. C'est Villeurbanne qui est obligé, de, par les exploits individuels, d'essayer de se créer les tirs. Donc le vent a changé de sens. C'est l'Olympiakos maintenant qui maîtrise véritablement le jeu. Avec, vous avez vu, ce jeu de passe maintenant du côté Olympiakos. Et Rogers qui se retrouve en position pour donner un petit peu le large à l'équipe grecque. 3 points d'avance pour Olympiakos. 2 minutes à jouer dans cette première période. Jim Bilba avec Laurent Pluvy. Position peut-être pour Darren Henry à 3 points, oui. Égalisation de Darren Henry à 28 partout, 3 sur 4 à 3 points pour Darren Henry. 11 points pour l'Américain de l'ASVEL, l'un des deux Américains de l'ASVEL. Allez, si on pouvait rester comme ça, côte à côte jusqu'à la mi-temps. Ademensa, Rogers, attention. Il trouve Roberto à l'intérieur, le contre de Perceveau, mais le ballon qui était dans sa phase descendante. Et c'est l'Olympiakos qui reprend l'avantage, 30-28. Et c'est pas mal ces décisions-là de venir, Jean-Gaël, de s'imposer véritablement au centre de la raquette. Ça peut dissuader un petit peu les joueurs. Et puis en plus, ça, des fois, ça les rebloque les repères. On se rappelle une finale il y a maintenant un paquet de temps, au début des années 80, avec Georgetown et Pat Ewing, qui contraient systématiquement tous les tirs de l'équipe adverse. Et je me souviens d'un match où il avait contré les 4 premiers tirs de l'équipe adverse. Il y avait 8 points et l'équipe adverse n'avait toujours pas marqué. C'était vraiment un gros problème après de repères pour pouvoir tirer. Vous parliez de NCA bien sûr avec Dorfstein. Ça tombe bien, on en reparlera tout à l'heure. Puisque nous sommes également en pleine March Madness en NCA avec
cette semaine, pas moins de 5 matchs de championnat universitaire américain sur notre antenne, plus 3 matchs d'Euroleague, puisque jeudi il y aura le retour de cette rencontre, plus derrière Kinder Bologne pour Orthez, plus un match espagnol, 8 matchs de basket sur 7 jours. Qui dit mieux? Voilà, merci. Rebond pour Jim Bilba. Laurent Pluvis, nous approchons de la fin de cette première période, 31-28 pour Olympiakos. 1 minute 13 secondes exactement à jouer avec Delan Herod. C'est dommage parce qu'il y a des positions pour Delan Herod qui pour l'instant ne se montre pas très très adroit. On peut compter sur Delan Herod pour retrouver son adresse. Lui qui avait marqué 18 points et surtout donné 14 passes décisives face à Chalon. Enfin, cela dit, sans faire du tout injure aux joueurs de Philippe Hervé qui font une saison remarquable. Là, Olympiakos, c'est du très 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 lourd. Mais une chance, les joueurs grecs sont également relativement maladroits dans leur shoot extérieur. Et là, sur la contre-attaque, aïe aïe aïe, Jim Bilba, oui, marché. Il n'a pas osé aller dunker tout de suite, là, Jim. Incroyable attitude de Jim Bilba, qui a refusé de prendre le tir alors qu'il était tout seul. Tomic était déjà parti dans le décor. Et en fin de compte, Jim Bilba essaie de lui mettre dans les jambes. Enfin, vraiment très bizarre que Jim Bilba refuse ce tir. Il a vu peut-être arriver l'autre joueur pour contrer. Il a voulu donner un de ses partenaires. Toujours est-il que maintenant, ça fait plus 3 pour Olympiakos avec Tomic à 3 points. Heureusement, c'est manqué. Et rebond pour Laurent Pluvis. Delan Herod, il reste 10 secondes. On va attendre avec beaucoup d'expérience Delan Herod. C'est très bien joué. Pourquoi pas mettre en position Darren Henry pour un shoot à 3 points de l'égalisation avant la mi-temps. Rudd. C'est difficile. Rebond pour Laurent Pluvis au buzzer, c'est manqué. Aïe, 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 aïe. C'est dommage cette action. Il y a eu 3 opportunités là pour l'ASVEL d'égaliser. Toujours est-il que nos amis statisticiens sont rapides en Grèce. Hein. Rappelons le score, donc 31-28. Et on va pouvoir analyser rapidement les statistiques avec 15 lancers francs shootés par Olympiakos. Et je vous laisse voir la suite, Philippe. Et seulement 26% de réussite pour l'équipe de Villeurbanne à 2 points. Contre 61% de réussite pour l'équipe d'Olympiakos. Il n'y a pas à chercher loin. C'est vraiment ici qu'il faut chercher la différence. Première minute. Avec Darren Henry, Alain Digbe et Delan Herod pour Olympiakos, Papa Nicolaou, Tomic, Goldwire et me semble-t-il Tarlac et Rogers. Effectivement, le même 5 qu'en première période pour l'Olympiakos qui n'a pas utilisé la statue grecque Fasoulas. Joachim Blum qui signe immédiatement son entrée avec ce premier panier et l'ASVEL qui revient à 1 point, 31-30. Joachim Blum qui peut poser un problème parce que Rogers hésite à souvent sortir la raquette. Quand avec Dragan Tarlac, il n'en sort jamais. Alors que Joachim Blum et Crawford Palmer sont des joueurs relativement adroits à l'extérieur de la raquette, ce qui a manqué pour l'équipe de Villeurbanne en première mi-temps. Donc ça va certainement poser un problème défensif, en tout cas aux joueurs de l'Olympiakos. Goldwyer avec Rogers, bonne passe pour Tarlac et bonne faute de Darren Henry. Darren Henry qui était venu en soutien, qui est souvent très disponible en défense pour les aides et pour le rebond. Et donc il a été venu essayer d'embêter Dragan Tarlac, mais la puissance a fait le reste. Pour le moment, Ivkovic a utilisé 8 joueurs. Nous n'avons pas encore vu Vukcevic l'arrière et Fasoulas, donc le pivot mythique de toute la Grèce. Alors que Greg Beugnot, lui, a utilisé, eh bien ma foi, tout le monde.
Effectivement, je viens de vérifier, il a utilisé ses 10 joueurs. Greg Beugnot, rebond pour Tarlac avec Goldwyer. Tomic, bon repli défensif de l'Asvel. Tarlac, limite à 3 points, c'est manqué. Rebond pour Darren Henry, qui est venu chipper ce ballon là sur la tête de Papa Nicolaou. Et de Hanerod en train de râler, c'est bon signe quand Hanerod y râle. Il râle parce qu'il a loupé un panier relativement facile pour lui. Malgré la poussette de Goldwyer, il aurait dû assurer le panier. Il a été un petit peu gêné. Mais on voit que Goldwyer l'empêche carrément. Ouh. Oh là là, quel panier à 3 points de Darren Henry. Alors, il est à 4 sur 6. Darren Henry, 14 points au total. Et là, il était... Allez, tout à l'heure, il était à 2 mètres derrière la ligne. Là, presque à 3. Non, les deux encore. On va pas chipoter. Tomic commence à avoir des problèmes de compréhension du jeu d'attaque de Darren Henry. Il dit plus je recule, plus il recule et plus il met dedans, ça devient embêtant. Ça nous rappelle le fameux premier match face au Cibona de Zagreb où Henry avait réussi un 7 sur 10 à 3 points. Il pouvait shooter toutes les situations à 6 mètres, à 7, à 8, à 9. Malheureusement là, il vient de prendre sa troisième faute Darren Henry. C'est Papa Nicolaou qui est venu au contact chercher la faute. Il est jeune Papa Nicolaou, mais déjà beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui joue beaucoup sur la puissance, sur l'expérience qu'il a du jeu en jeune. Il était vraiment 3-4 et donc là il peut exprimer tout son potentiel physique à ce poste là. Un ailier de 2 mètres et de 22 ans Papa Nicolaou. Palmer, rebond pour Rogers. Rivkovic. Oh, le dunk est manqué par Tarlac. Encore un signe. Vous avez vu à la vitesse où il a déboulé, extraordinaire. Et il est même arrivé trop vite sur le panier, Dragan Tarlac. Et on va pas s'en plaindre. Alors que Anthony Goldwyer a décidé, comme en première mi-temps, d'interdire carrément le milieu à Delaney Rudd, ce qui limite un petit peu l'attaque villeurbanaise et ce qui pose quelques problèmes à Delaney Rudd, qui n'a pas la variété de jeu qu'il désirerait. Et puis lorsque certains disaient que les joueurs de l'Olympiakos pouvaient... peut-être prendre un peu de haut l'équipe de l'Asvel. Ivkovic a tout de suite dit, vous inquiétez pas, j'ai déjà toutes les cassettes qu'il faut, j'ai déjà bossé sur leur jeu et on va les prendre vraiment comme il faut et je vais trouver quelque chose contre l'Asvel. C'est deux équipes qui se connaissent bien parce qu'ils avaient échangé les cassettes à la fin du premier tour. Ils avaient échangé les cassettes, Olympiakos avait envoyé tout son stock à Villeurbanne et Villeurbanne en avait fait de même puisque les groupes s'étaient croisés et donc les deux équipes se connaissent parfaitement. D'ailleurs, quand Greg Beugnot a été élu deuxième coach européen en 97, c'était derrière ce monsieur Ivkovic. Il y a beaucoup de respect entre les deux hommes. Pas de réussite pour Tomic alors qu'un joueur de l'Asvel est resté au sol. Il me semble que c'est un Digbeu. Tout à fait. Pour les pépins physiques, l'Asvel a déjà donné cette année. Hein. On espère qu'il n'y a rien de grave pour Alain qui n'est toujours pas revenu en attaque. Ce qui signifie que, ma foi, ça ne va pas très très bien. Joachim Blum à 3 points. Oh, le Suédois, l'arme secrète de Greg Beugnot. On ne l'avait pas vu en première période. Et Joachim Blum inscrit 5 points pour son arrivée en deuxième à 100% de réussite. Et Alain Digbeu s'est relevé. Et l'Asvel est repassé devant 36-34. Goldwyer. Rogers à 3 points. C'est manqué pour Rogers. Rebond pour Tomic à 3 points également. Tomic ne trouve pas la cible aujourd'hui et c'est le rebond pour Delaney Rudd. La faute de Papa Nicolaou qui respecte les consignes. Freiner la contre-attaque. Couper la contre-attaque carrément parce que là il n'y avait rien à faire, il pouvait laisser passer Delaney Rudd et ben non, il l'a arrêté, il a pris une faute, c'est pas très grave, ils ont un effectif énorme et puis comme ça au moins Villeurbanne n'aura pas un panier facile à mettre. Et temps mort demandé par Dusan Ivković. Les 2-3 réflexions que peut donner son mentor et à coup sûr il en fait souvent bon usage puisque l'équipe de Yougoslavie, faut-il le rappeler, est championne d'Europe et championne du monde en titre. Possession pour Alain Digbeu, 16 minutes 10 secondes à jouer dans cette partie et l'Asvel qui mène 36-34 sur le parquet de l'Olympiakos. Joachim Blum à 3 points, cette fois-ci c'est un peu court. Rebond Papa Nicolaou avec Goldwyer. Toujours Goldwyer. On surnomme Goldie si ça peut intéresser quelqu'un. À 3 points Goldwyer, c'est manqué. Ah, vous gênez pas les gars. Aïe 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 aïe. Mésentente au rebond entre Palmer et Alain Digbeu. Ah oui, plus de communication. Ce que certainement en train de dire Alain à Crawford, mais je te l'avais dit que j'y étais. Et là il met le pied en touche et c'est incontestable.
Dommage, parce que c'était vraiment une balle très intéressante à récupérer. Il était 3 verts pour 0 blanc. Une balle relativement facile qui est un petit peu gâchée par l'équipe de Villeurbanne. Il y a une faute de sifflet contre Joachim Blum. Joachim Blum qui ceinture, on le voit bien. Qui ceinture et qui lâche après, mais trop tard. Il a été pris par l'arbitre. C'est une faute personnelle. Pris par la patrouille. Papa Nicolaou et Komazec qui est toujours sur le banc, puni de ses 7 premières minutes désastreuses. Rogers, et depuis la sortie de Komazec, Olympiakos joue relativement bien. Je ne sais pas si c'est un lien direct, mais Papa Nicolaou, ça sera 2 points si ça rentre. Le rebond pour Alain Digbeu. Ça sera 2 points si ça rentre, Rémi, ça me rappelle quelque chose. Ah bon? Darren Henry. Alain Digbeu. De la Nérode avec Joachim Blum. Darren Henry à 3 points, à nouveau 1 mètre derrière la ligne. C'est manqué pour Henry. Rebond pour Papa Nicolaou. Bon, comme j'aime pas trop laisser les téléspectateurs loin de nous quand on fait des petites jokes comme ça, je vais pour ceux qui, comme moi, n'étaient pas encore nés. Non, j'exagère, que monsieur Bernard Père me pardonne. Mais c'était l'expression favorite de Bernard Père qui commentait le basket sur France Télévisions il y a quelques années, au tout début du basket à la télévision, et disait « C'est 3 points, si ça rentre !» Bernard Père, si vous nous écoutez, un grand bonjour amical. Et Tomic qui a toujours autant de problèmes sur Darren Henry pour défendre. Darren Henry qui coupe, qui prend la position, qui s'arrête bien au moment et qui est poussé par Tomic. Faute personnelle pour Tomic. Vraiment une très bonne rencontre de Darren Henry, pleine en attaque autant qu'en défense. Retour de Komazec et pas de réussite une nouvelle fois pour Alain Digbeu, pour Delaney Rudd, mais incroyable. Et je vous jure, je les connais les joueurs. Hein. Mais là aujourd'hui j'ai un petit problème. Et 2 points pour Milan Tomic. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire de boomerang. Mais ça va me revenir. Un petit peu pareil. 38-36 pour Olympiakos qui est repassé devant. Mais c'est Crawford Palmer qui a l'égalisation à 38 partout. Goldwyer avec Tarlac. Roberto qui est revenu à la place de Rogers. Tomic. On voit beaucoup d'attention sur Tarlac avec tout le monde qui essaie. Oui, passage en force de Tarlac est très très bien défendu de la part de Crawford Palmer. Palmer qui, à l'inverse de la première mi-temps, regardez, il l'oriente plutôt sur le. Il s'oriente de façon à le mettre à l'intérieur de la raquette, l'obliger à venir sur l'aide défensive. Et Tarlac n'a trouvé la possibilité que de mettre l'épaule contre Crawford Palmer et d'avoir une faute offensive. Très très bien joué défensivement de l'intérieur villeurbanais. 38-38, il reste environ 10 minutes à jouer dans cette partie. Alain Digbeu. Laurent Pluvy. Palmer pour Alain Digbeu. C'est lui cette fois-ci qui joue poste bas face à Komazec. Ressort pour Palmer. Blum, Laurent Pluvy. Il ne doit pas rester beaucoup de temps. Oh, il y a un duel. Goldwyer, Digbeu. Bonne passe pour Crawford Palmer et panier accordé. On l'espère, du moins, panier accordé à Palmer et faute d'Oberto. J'avoue ne pas avoir vu le geste de M. Bettencourt. Superbe passe de Laurent Pluvy. Parfaitement dans le timing et dans la course de Crawford Palmer. Et normalement, le panier est accordé. La faute est à Komazec, a priori. Voilà, superbe Crawford Palmer. Et ça fait maintenant 41-38 pour l'Asvel qui reprend les commandes dans ce quart de finale. Goldwyer. L'équipe de Villeurbanne qui pose d'énormes problèmes à l'équipe d'Olympiakos en changeant pratiquement systématiquement sur tous les écrans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un écran, ben le joueur qui l'a subi garde le joueur qui l'a fait. Et donc ça permet ensuite de rester véritablement dans les courses des joueurs qui coupent. Et donc ça perturbe véritablement énormément l'équipe d'Olympiakos. Et là je me demande franchement comment M. Radic peut siffler une faute à Crawford Palmer. À la limite, à Darren Henry, je veux bien, mais là, c'est malheureusement la quatrième faute de Crawford Palmer qui est en train de dire à M. Bettencourt. Là, M. Bettencourt, c'est un petit peu sévère quand même.
Bon, c'est vrai que nous, on a le ralenti également hein, de deux angles différents. Enfin bon, 8 points pour Tarlac au lancer franc et 5 rebonds en dessous de sa moyenne habituelle, mais il a encore un peu de temps. Tarlac, c'est le meilleur rebondeur de l'équipe avec 6 rebonds, 6 par match. Et Jean-Gaël Percevaux va revenir apporter ses 2,13 m sur le parquet. 1 sur 2 seulement pour Tarlac et rebond pour Crawford Palmer. Qui tient fort bien son rang ce soir, Crawford Palmer qui était incertain et ce serait vraiment dommage de le voir sorti. 14 sur 20 au lancer pour Olympiakos. 90% pour l'ASVEL, mais qui en a shooté deux fois moins. Pluvy. Plus rapide qu'Oberto, ressort pour Crawford Palmer, Laurent Pluvy. C'est court, mais l'indique avait bien suivi pour les deux points. Et ça fait plus 5 maintenant pour l'ASVEL. J'ai l'impression que les joueurs de Villeurbanne commencent à y croire. Alors Digbeu remonte un peu tout le monde. Plus 4, autant pour moi, excusez-moi. Je voulais rectifier, ça fait plus 4. Goldwyer à 3 points, c'est dedans, aïe aïe aïe. Ce qui me fait peur, c'est que ce meneur... Il n'a pas encore tout montré pour le moment. Il n'a pas pris véritablement d'initiative ni de responsabilité. Donc il sent que son équipe commence à être un petit peu décrochée, un petit peu qui a quelques petits problèmes pour contenir l'équipe de Villeurbanne. Attention qu'il ne prenne pas feu. On peut tout de même rappeler qu'Anthony Goldwyer, c'est un joueur qui a disputé une saison pleine l'année saison dernière en NBA et pas un joueur qui est au bout du banc. C'est un vrai joueur de NBA. Il a joué les 82 matchs et il avait une moyenne de 9,2 et 3 passes décisives, un peu plus même par match. Ce qui est absolument remarquable dans le plus fort championnat au monde. Il est sorti de l'université de Houston en 94, Goldwyer, celle qui est dirigée aujourd'hui par Clyde Drexler. Digbeu. Laurent Pluvy qui réclame le ballon de l'autre côté, mais c'est Crawford Palmer qui a trouvé ce shoot. Non, c'est Joachim Blum, pardon. Crawford Palmer est sorti, remplacé par Percevaux. Joachim Blum qui tient très bien son rôle depuis le début de la deuxième mi-temps, qui est agressif à souhait en défense et adroit en attaque. Enfin, il joue véritablement 4, mais quand il est adroit comme ça, il est quand même très très efficace. Interception peut-être, oh, il y a une vilaine faute là sur l'Indigbeu. On laisse l'avantage avec la passe de Pluvy pour les deux points de Joachim Blum. Plus 5 pour l'ASVEL. Ivkovic qui réclamait le marché, il commence à douter un petit peu là, avec Komazec aussi qui fait des fautes méchantes. Voilà, Robert vilaine Rogers. Faute, là, de Rogers avec carrément une cravate, un coup de coude dans la pomme d'Adam de l'Indigbeu. Et Komazec aussi qui pousse un petit peu derrière, bien suivi, et deux points pour l'intérieur villeurbanais. Et belle passe de Laurent Pluvy au passage derrière le dos. Avec une faute de Darren Henry sur Anthony Goldwyer. Quatrième faute également pour Darren Henry. Deux joueurs à quatre fautes à l'ASVEL. Henry et Palmer. Comme par hasard, je vais être mauvaise langue, les deux meilleurs marqueurs de l'ASVEL. Goldwyer au lancer franc. Qui auparavant avait, avant sa saison à Denver, avait évolué à Charlotte et qui avait été l'année d'avant même champion CBA avec les Yakima Sun Kings, Anthony Goldwyer. Il y a une faute incontestable de Joachim Blum cette fois-ci. On ne peut pas le nier. Qui a écarté Oberto avec son bras. Deuxième faute pour Blum, l'un des joueurs à être épargné par les fautes. Et pour cause, il n'a pas joué en première mi-temps, Rémi. Donc il a un crédit un peu plus important que les autres. Mais à ce rythme-là, il va vite l'utiliser. Goldwyer qui vient prendre quelques consignes. Non, il est remplacé par Arsène Ademensa. Anthony Goldwyer, on va l'économiser pour le Money Time. 10 minutes à jouer dans cette partie. L'ASVEL mène 47-42. Tomic, Komazec. Rogers à 3 points. Pas cette fois-ci. Et rebond pour... Eh bien, pour l'Olympiakos avec Komazec. Qui ressort pour Tomic à 3 points. Toujours pas de réussite pour Tomic à 3 points et une nouvelle faute de Komazec. Et ça commence à friter dur, excusez-moi l'expression Rémi, mais ça commence à être vraiment délicat à l'intérieur. Tout le monde sort la boîte à gifles. C'est celui qui attrapera le ballon de premier avant d'attraper le bras de l'autre. C'est vraiment, ça va devenir très très dur les dernières minutes. Et Ivkovic l'a senti que ça allait être un match serré. Il a sorti son joueur américain meneur de jeu pour pouvoir l'utiliser dans les 5 dernières minutes et pouvoir hausser le ton et en attaque et en défense. Digbeu à 3 points, rebond offensif, non rebond défensif pour Roberto avec Ademensa. Et la faute d'Alain Digbeu, gentiment relevée par Monsieur Betancourt.
l'un certainement des plus grands arbitres européens, du moins habitué des plus grands rendez-vous. Il a tout dirigé, hein, monsieur Betancourt, des finales de Liga espagnole aux championnats du monde, aux Jeux olympiques. C'est lui qui avait arbitré, si je me rappelle bien, la finale de la première et la vraie Dream Team en 92 à Barcelone. Et Ivkovic a déjà, pardon Rémi, Ivkovic a déjà fait revenir Goldwire parce qu'il sent que son équipe a besoin de son leader américain. Et donc tout de suite, il l'a fait revenir à la place de Tomic. Kovacic, la faute est pour qui? Pour Blum. Pour Blum, la troisième. C'est vrai que ça commence à tomber les fautes. Les gifles tombent, les fautes également. Et regardez, Blum est un petit peu en mouvement, il arrive un petit peu en retard. Il est déjà un petit peu en déséquilibre comme Kovacic arrive. Alors que s'il avait été véritablement placé, il aurait eu passage en force. Mais il a été un tout petit peu de retard et c'est pour ça qu'il a été sanctionné par M. Betancourt. On va dire à Greg Beugnot, ouais, M. Beugnot, vous êtes gentil, il y avait faute. J'ai sifflé, vous n'allez pas rouspéter à chacun de mes coups de sifflet. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Il a montré les deux pouces, Greg Beugnot, en disant bon, ok Miguel, mais faut que ce soit pareil des deux côtés à ce moment-là. Et Miguel qui lui répond, t'inquiète pas Greg, je vais siffler pareil. Bon, on l'espère, nous, en tout cas, dans ces dernières minutes, on rigole, mais c'est tout de même un quart de finale d'Euroleague. Et pour l'instant, l'ASVEL mène sur le parquet de l'Olympiakos, 47-42, et Kovacic qui vient de louper ce lancer franc. On ne peut pas dire que Kovacic ce soit le joueur d'équipe par excellence. On ne peut pas dire non plus qu'il soit vraiment en forme aujourd'hui. 0 sur 2, là, c'était un moment-là. Et seulement 4 points pour Kovacic. Vous l'avez vu peut-être sur le panier adverse. Il reste 9 minutes 48 à jouer. Et maintenant, 9 minutes 20. Dans cette partie, l'ASVEL est à plus 5 avec Digbeu. Ariane Kovacic qui est une des idoles dans le monde du basket de Yann Bonato, qui est en train de louper en partie son premier match des quarts de finale. Complètement, et c'est pas nous qui allons nous en plaindre. Troisième faute pour Kovacic. Lui qui trouve peut-être Percevo, interception d'Ademensa. Et faute de Jean-Gaël Percevo, sifflé cette fois-ci par M. Radic. Et cela fait un petit moment maintenant qu'aucune des deux équipes n'a marqué. Chaque panier est vraiment très très difficile à aller chercher. Et une faute logique de Jean-Gaël Percevo qui a du mal à lutter pour une balle à terre contre un joueur d'1m85, alors qu'avec cette 2m13, forcément il a été obligé de compenser un petit peu, de tomber un petit peu sur Arsène Ademensa, et donc il a été victime d'une faute. Et que de fautes provoquées par Arsène Ademensa, une nouvelle fois à shooter et lancer franc. Et qui l'avertit, M. Betancourt, en ce moment? J'ai l'impression que c'était Georgie Adams. C'est fort possible, parce que Georgie Adams, il a une réputation de ne pas avoir trop la langue dans sa poche, de contester souvent. Il a besoin de ça pour pouvoir faire monter l'adrénaline. Et M. Betancourt, lui, il n'accepte pas vraiment. Donc il l'a remis tout de suite en place. Arsène qui vient d'inscrire son sixième lancer franc sur les 7 qu'il a tenté aujourd'hui. Il en restait un à shooter. Fait maintenant 7 sur 8 au lancer franc pour Ademensa. Et chaque possession de l'ASVEL maintenant va être huée par le public de cette salle de la paix et de l'amitié. Je peux vous l'assurer, en certaines circonstances, ne porte pas vraiment son nom. Remarquez, il vous distribue des pièces, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle la salle de la paix et de l'amitié, c'est parce qu'à la fin, il vous offre des pièces. Mais des drachmes qui valent à peu près 0,000 centimes et qui sont lourds quand ils sont lancés de la tribune 26. Laurent Pluvy. Personne à Ademensa racontait même aux journalistes de l'équipe qu'il avait même trouvé une fois, on lui avait lancé une fois un téléphone portable. Donc. Ouais, c'est sympa. Là, tu m'appelleras, vieux. Rebond pour Tarlac. Oh, coast to coast, quasiment de Arsène Ademensa qui exhorte même le public à encourager son équipe. Et c'est Arsène qui ramène Olympiakos dans le match. Et malheureusement, c'est le Français qui fait du mal à ses compatriotes. Mais bon, c'est de bonne guerre. Ça fait partie du jeu. Espérons simplement qu'Antoine Rigaudeau fasse pas autant de l'autre côté. Oh, une nouvelle faute pour Jean-Gaël Percevo. Là, ça commence à devenir un peu sévère tout de même. Hein. C'est un marché, Rémi. C'est un marché. Sanctionné Jean-Gaël Percevo. Qui tombe, qui allait perdre la balle de toute manière, mais c'était pas la peine d'en rajouter de la part de l'arbitre. Il aurait pu laisser jouer, ça n'avait donné aucun avantage à Jean-Gaël Percevo. Il y aurait eu une balle de contre-attaque pour Olympiakos,
mais l'arbitre a préféré arrêter le jeu avec un... Pour la presse, c'est sympa, tiens, c'est lui qui a eu la fève, c'est lui qui a eu le petit chèque, et en plus, j'imagine qu'il en a été fait bon usage de ce chèque. Le voici, Arsène Ademensa, 46-47 pour Olympiakos, rebond pour Ademensa qui a la chance avec lui en plus, ce ballon qui lui retombe dans les bras. Aïe, 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 ça fait maintenant 11 points pour Ademensa. Et Olympiakos qui est repassé devant à la marque 48-47. Arsène Ademensa venait peut-être de l'extérieur, c'est difficile à juger sur cette action-là parce qu'on ne voyait pas. En tout cas, c'est sûr qu'il arrivait en dehors du terrain, à savoir s'il avait déjà pris ses appuis à l'intérieur, c'est une autre histoire. Rod, oui, peut-être poussé dans le dos, Joachim Blum. Ah, c'est difficile le métier d'arbitre parce que dès que vous sifflez contre un joueur, il y a le coach qui dit « Oh non, pas nous !» Il y a quand même une guerre psychologique entre les coachs et les arbitres, d'autant plus à ce niveau-là. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que Ivkovic conteste systématiquement depuis le début de la deuxième mi-temps tous les coups de sifflet de l'arbitre. Et à aucun moment, un des deux arbitres n'est venu lui dire de se calmer, alors que Grégor Bognon les a déjà vus deux fois ou trois fois même. Donc il y a peut-être un petit peu petite appréhension pour arbitrer M. Ivkovic, qui a un énorme passé, vous l'avez dit tout à l'heure, Rémi. Et lancé franc pour Joachim Blum qui vient d'égaliser. Peut-être l'Asvel qui passe devant, non. Mais la possession. La possession pour les Français. Et Ivkovic encore qui applaudit l'arbitre en rigolant un petit peu narquois. Mais M. Bettencourt fait celui qui ne l'a pas vu. Il a l'expérience, un des grands rendez-vous. Miguel Bettencourt, on peut lui faire confiance. 7 minutes 30 à jouer. 48-48. Blum, Adams, Digbeu à 3 points, mettre derrière la ligne. C'est manqué, rebond pour Goldwyer. Quelle tension et quel suspense surtout. Quel plaisir de voir l'Asvel toujours dans le match à 7 minutes de la fin. Goldwyer, Komazec à 3 points. C'est pas son jour à Komazec et le rebond il est pour qui? Pour l'Asvel avec Georgi Adams. Et Darian Tarlac s'était jeté dans les tribunes pour aller chercher cette balle. Malheureusement, il n'a pas pu véritablement contrôler. Et heureusement pour Villeurbanne, c'est Georgi Adams qui a réussi à contrôler ce ballon. Rudd. Allez, le premier panier extérieur de l'année, Rudd. Malheureusement, je crois qu'il avait le pied droit qui mordait un petit peu sur la ligne à 3 points. Voilà, c'est bien deux. Hein. Effectivement, ce sont 2 points accordés à l'Asvel et de l'année Rudd. Mais ce panier qui, outre le fait d'être le premier de l'année Rudd et ça peut-être le mettre en confiance, permet à l'Asvel de repasser devant 50-48. Ah, bonne passe pour Komazec. Si de l'année Rudd pouvait retrouver son adresse à ce moment-là de la partie, ça pourrait être un énorme atout pour l'équipe de Villeurbanne. Villeurbanne toujours à égalité, 50 partout et un peu moins de 7 minutes à jouer dans ce quart de finale. Match aller bien sûr. De nouveau de l'année Rudd, cette fois-ci c'est manqué. Oh, c'est sévère, la faute pour Perceveau. Mais pourquoi Jean-Gaël Perceveau met-il la main, en tout cas, sur essayer d'attraper le ballon? C'est vraiment les fautes qui ne servent à rien. Regardez, la balle est contrôlée. Ouais, c'est vrai. Il va prendre la balle, il y a juste le repli assuré. Et il fait une faute qui pénalise énormément son équipe, puisque celle-ci va être pénalisée par deux lancers francs. Véritablement, on a moins vu en deuxième mi-temps qu'en première. Et Jim Bilbac, on n'a pas vu du tout de la deuxième mi-temps. Jim Bilbac qui vient de rentrer et qui certainement va avoir... à cœur de se racheter de sa première mi-temps en demi-teinte, je dirais. On se rappelle de cette action de contre-attaque où il avait un petit peu loupé cette contre-attaque. Et là, les 6 dernières minutes, il sait que tout reste à faire. Ils sont encore dans le coup et dans le sillage de l'Olympiakos. Et donc, Jim Milba est un joueur de Money Time. À n'en pas douter, on se rappelle du dernier match des 8e de finale où il avait été déterminant. On ne peut souhaiter que la répétition de ces 5 dernières minutes ce soir contre l'Olympiakos. Et on en approche des 5 dernières minutes puisqu'il en reste exactement 6. Et Arsène Ademensa, grâce à ce premier lancer franc, vient de redonner l'avantage à Olympiakos. 9 sur 10 au lancer franc pour Arsène Ademensa. Et 52-50 pour l'équipe grecque de la Nérode. À la Digbe. Avec Jim Bilba. C'est bien ressorti pour Jim Bilba, mi-distance, c'est manqué, rebond pour Tarlac. Et ça va à 200 à l'heure, non, Goldwyer préfère temporiser et provoquer une nouvelle faute. Merci bien, cette fois-ci c'est Jim Bilba qui lui pour l'instant est épargné par les fautes. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas encore joué dans cette deuxième période. Ce
cela dit, on ne peut pas sur cette action contester le fait qu'il y a un petit genou qui bouge. Non, c'est Georgie Adams qui prend la deuxième faute. Enfin, toujours est-il que ça fait une faute de plus sifflée contre l'ASVEL. Et des lancers francs pour l'Olympiakos. On verra certainement la stat des lancers francs shootés à la fin du match. Mais quand même, il y a beaucoup de fautes hein, sifflées contre l'ASVEL. Bah non, c'est cette fois-ci Goldwyer au lancer franc. Il y a Goldwyer qui est né d'une famille de sportifs, d'un père sportif du moins. Son père était professionnel de baseball aux California Angels. Et pour être complet, il jouait catcher, pour ceux qui suivent le baseball. Catcher au baseball. Oui, catcher au baseball. Ça m'a surpris au début, mais ça existe. Catcher de catch, attrapé. Je pense que c'est celui qui est chargé de réceptionner les balles. On va demander à notre collègue Jean-Fred Etienne. Parce que c'est pas ma spécialité, je vous avoue, le baseball. Et Komazec se réveille. Ça, c'est un coup dur pour l'ASVEL. On l'avait pas vu du match, Komazec. Il avait bien suivi là. Arsène Demensa contre une première fois par Jim Bilba. Il a bien poussé Georgie Adams sur la contre-attaque et il a hérité du rebond offensif qu'il a remis dedans. Vraiment plein de métiers cette action d'Ariane Komazec. Et tout à coup là on est passé à 56-50 et là par contre il n'y a pas de faute de Goldwyer. Voilà, vous êtes un petit peu dur quand même, messieurs les arbitres. C'est ce qu'on dit toujours. On ne peut pas reprocher à un arbitre de préférer siffler les contacts hein, que de ne pas les siffler. Le tout est de siffler de la même manière de part et d'autre. Or là, il y a des contacts de Goldwyer sur Dwayne Herod à chaque possession quasiment. Et Goldwyer n'a pas encore pris une faute, du moins pas sur ces actions-là. Alors que celles qui sont sifflées de l'autre côté sont quand même un peu plus limites. Allez, c'est pas grave. Et Mustapha Sonko vient de faire son entrée à la place de Georgie Adams. Lanerod pour revenir à moins 4, voilà qui est fait, 52 pour l'ASVEL et 56 pour Olympiakos. Seule chose qui me fait peur, c'est qu'en Grèce, c'est toujours bien d'avoir au moins 15 points d'avance dans la dernière minute parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Enfin bon. L'éclairage peut tomber en panne, il y a plein de choses qui peuvent arriver en Grèce. Oui. Enfin bon, la Juve sur les sorties en foot grâce à un but dans les dernières minutes. Pourquoi pas l'ASVEL en basket avec une balle perdue là par l'Olympiakos et l'occasion de revenir à 2 points, voire à 1. Avec un shoot à 3 points. Et puis tiens, soyons gourmands, voire égalité sur avec un shoot à 3 points plus une faute derrière. Allez, Alain Digbeu. Pour Jim Bilba. De la Nérode. C'est à lui que l'on confie les responsabilités. Pour le moment, il faudrait que chacun peut-être prenne sa part de risque en attaque. Alain Digbeu. Mustapha Sonko. Sur une des lancées. Franc, il est court, Sonko. Le rebond pour Ademensa, bien aidé par Komazec. Un petit peu poussé Sonko, mais il shoot en reculant. Difficile de lui accorder une faute, alors qu'il faut sauter droit, retomber dans ses appuis, aller au contact encore une fois, si on veut espérer attirer un petit peu l'œil de l'arbitre en sa faveur. Ademensa. Oh, il fait un festival, Arsène Ademensa. Ultra motivé de jouer contre une équipe française, Arsène, et qu'il fait du mal aujourd'hui. Il provoque des fautes, il a amené l'enthousiasme et il marque maintenant des paniers en un contre un. C'est déjà son troisième et ça fait 15 points pour Arsène et plus 6 pour l'Olympiakos. Alain Digbeu à 3 points, non. Faute de... Oh, c'est ce nom. Faute offensive d'Alain Digbeu. Oh non, c'est pas possible. C'est la pression que met... Comme Ivkovic sur les arbitres. Oh mais si là il n'y a pas faute de Goldwyer, c'est lui qui se déplace. Regardez, c'est monsieur Ivkovic qui a arbitré. Et derrière, c'est Alain Digbeu qui est sanctionné d'une faute. Vraiment délicate décision de l'arbitre, on ne peut pas en dire moins. Le sport à la base, c'est même chance pour tout le monde. Mais là, monsieur Radic, il donne un petit coup de main là, à Ivkovic, hein, sans vouloir être mauvaise langue et mauvais esprit. J'irai pas jusqu'à dire que l'un est yougoslave, l'autre est croate et qu'on peut s'entendre très très bien entre les deux nations. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Mais bon, ça m'ennuie un peu quand même. Parce que là, ça fait quand même plusieurs fautes sifflées contre l'ASVEL qui sont limite. Et je serais curieux de voir le nombre de fautes sifflées contre l'ASVEL d'un coup. Le lion mascotte du club qui, ma foi, a la charge d'animer le public. On peut pas dire que le public soit très 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 énervé, mais bon, il n'a pas besoin puisque pour l'instant il y a monsieur Radic qui est énervé et ça suffit pour l'ASVEL. 3 minutes 10 à jouer et moins 6. Il faut absolument contrôler l'Olympiakos, il ne faut pas les laisser s'éloigner si on veut dans les 3 dernières minutes que Villeurbanne
puisse encore avoir une chance d'arracher cette victoire au buzzer, ce qui est encore possible pour le moment. Goldwyer à 3 points, non. Oh non. Rebond pour Crawford Palmer avec Mustapha Sonko. Crawford Palmer qui est revenu sur le parquet à la place de Jean-Gaël Percevaux. Darren Henry à 3 points, non. Delaney Rudd, important ce shoot de Rudd. Oh, pas de réussite pour Delaney Rudd. Et rebond pour Komazec. Et Ademensa qui défie encore une fois. Papa Nicolaou qui ressort à Goldwyer. Inutile de dire que maintenant ils vont aller jusqu'au bout des 30 secondes à chaque fois. Les joueurs de l'Olympiakos. Goldwyer pour Papa Nicolaou qui va l'écraser le dunk, ça c'est clair. Et plus 8 maintenant pour Olympiakos. Mais que c'est dur. Les joueurs de l'ASVEL qui ont mené une bonne partie de la première période, qui sont revenus au score, qui ont remené de 5 points en deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques coups de sifflet malheureux. Crawford Palmer, faute de Papa Nicolaou sur Palmer. C'est dommage, si Crawford Palmer avait pu mettre ce panier avec le lancer franc en bonus, ça aurait été parfait. Maintenant, il va falloir qu'il soit à droite sur les deux tirs de lancer franc. C'est un petit dommage, un petit manque de réalisme de la part de Crawford Palmer qui a été bousculé encore une fois par Papa Nicolaou. Mais Crawford Palmer est le plus à droite de son équipe au lancer franc avec 87% de réussite. Allez, faisons-lui confiance. Voilà le premier. Komazec en discussion avec Ivkovic. 12 points et 7 rebonds pour Palmer. Gros match alors qu'il n'était même pas sûr de le disputer. 1 sur 2, 60 pour Olympiakos, 53 pour l'ASVEL. 1,50 à jouer, mais 7 points, c'est le plus gros écart de la partie pour Olympiakos. Mais sur un petit score comme ça, 7 points, c'est beaucoup. La dispute des joueurs de l'Olympiakos concernait qui allait prendre Alain Digbeu, qui a fait son retour très rapidement à la place de Delaney Rudd, qui n'est pas là pour le Money Time. Komazec, il ne reste plus beaucoup de temps. Komazec, oh, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Il est allé jusqu'au bout. Il chambre derrière Alain Digbeu. C'est sa spécialité. Allez, un petit tir à 3 points tout de suite là pour revenir à 6 points. Darren Henry. En déséquilibre avec la planche, rebond offensif pour l'ASVEL et Alain Digbeu avec Jim Bilba. On sort pour Palmer avec la planche, pas de réussite pour Palmer, rebond offensif pour Digbeu et panier accordé à Alain plus la faute. Voilà ce qui a manqué tout à l'heure à Crawford Palmer, c'est réussi par Digbeu la faute de Tarlac. Regardez la bagarre derrière Sonko qui a pris une pêche par Goldwyer et qui est tombé à terre. Sonko s'en plaint. Les arbitres laissent se battre un petit peu les joueurs. De toute façon, c'est l'agressivité qui est débauchée depuis le début de la deuxième mi-temps qui est là et qui donne la parole à l'Olympiakos, parce que c'est eux qui ont commencé à durcir le ton et c'est eux qui sont en tête pour le moment. Et c'est contre eux, contre l'ASVEL, qu'on siffle les fautes. Plus 7 pour l'Olympiakos. Et il me semble bien que nous sommes maintenant dans la dernière minute. Effectivement, 50 secondes à jouer. Goldwyer. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de goal average, donc effectivement maintenant on peut aller faire faute. Malheureusement, Ademensa, on est à 90% de réussite au lancer franc aujourd'hui. Franchement, je suis aigri, si c'est le mot juste. Bon, le match n'est pas fini, mais il y a quand même il y a 50 partout. Il y a quelques coups de sifflet qui donnent la balance au club qui reçoit. C'est un petit peu dommage. Et jeudi, c'est Villeurbanne qui reçoit, Rémi. Donc on ne connaît pas encore la paire d'arbitres, j'imagine qu'elle va changer. Je vous avoue qu'on la connaît, on nous l'a donnée, mais je ne l'ai pas avec moi. Oui, elle change. Je me demande si ce n'est pas M. Rems, le Slovaque, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il faut espérer que les spectateurs de Villeurbanne, les supporters de Villeurbanne sauront mettre la pression aussi sur les arbitres. La mésentente là entre Bilba et Digbeu, cette fois-ci on peut dire que malheureusement c'en est fini des chances de l'ASVEL dans ce quart de finale aller. Ils sont menés de 10 points, 63-53, mais l'écart s'est fait dans les 3 dernières minutes. Il y avait 50 partout, et malheureusement, ils ont fait le break derrière les joueurs d'Olympiakos et Ivkovic. Voilà, mais c'est facile d'être serein maintenant, lorsqu'on a les coups de sifflet et plus 10 à 33 secondes de la fin de la partie. Quel dommage, mais bon, on le répète, 5e faute de Darren Henry. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est anecdotique. Il y a le match retour donc dans 2 jours, jeudi, en direct sur notre antenne à 20h30. Où l'ASVEL aura l'occasion d'égaliser un partout. Et s'il y a une belle, bien entendu,
Elle se disputera sur ce même parquet, jeudi 1er avril à 20h15 également. Mais nous n'en sommes pas encore là. Espérons que Villeurbanne puisse réussir l'exploit de battre cette équipe d'Olympiakos, parce que battre Olympiakos, même à domicile, c'est un exploit, pour ensuite faire un mauvais poisson d'avril à l'équipe d'Olympiakos. Un jeudi 1er avril, ça serait pas mal d'aller gagner là-bas. Ah, ça serait excellent. 66-55, maintenant je mets peur que ce soit fini. Alain Digbeu pour réduire le score. Il y a 9 points d'écart, mais le golavrage ne compte pas puisqu'on dispute une belle. Hein. C'est pas comme la Corache ou la Saporta. Et on va quand même faire faute immédiatement, ce Papanikolaou. Faute de Crawford Palmer. Cinquième faute également pour Crawford. Et deux lancers francs pour Papanikolaou. En un seul mot. J'imagine également chez vous beaucoup de déceptions. Mais c'est aussi la beauté de ce sport. Le basket, ça va tellement vite que là, il y avait égalité il y a 3 minutes. Enfin, il y a 5 minutes exactement. Et il y a plus 10, 5 minutes après. Papanikolaou qui ramène justement l'écart à 10 points. Tout rond, 67-57 et plus 11 maintenant. Après ce deuxième lancer franc, peut-être une dernière attaque pour l'ASVEL avec Mustapha Sonko. Mais maintenant, on va le laisser passer. C'est même un contre de Papanikolaou. Récupération Sonko, un dernier panier à 3 points, peut-être d'un Digbeu. Ou de Georgie Adams qui hésite. Et c'est récupéré par Komazec. Oh, qui en rajoute, quel acteur ce Komazec. Komazec qui avait Papanikolaou devant, il a préféré faire les dribbles, provoquer la faute, garder la balle pour lui, avoir deux lancers francs supplémentaires. On ne sait jamais, avec les trois quarts du match qu'il a fait vraiment difficile, il faut qu'il assure quelques points quand même pour sa moyenne sur la fin du match. Et parce qu'il faut bien se vendre pour la saison prochaine. Il a failli signer comme Bosman Bey à Tofaş Bursa en Turquie cette saison. Ça ne s'était pas conclu. Il est venu ici en tant que deuxième étranger. Ah, c'est difficile là, d'entendre les supporters manifester leur joie. Quand on voit les 35 minutes absolument remarquables, et même les 40 minutes, on peut dire, de l'ASVEL remarquable. On a tout essayé. Il y a eu un bon passage de Joachim Blum, un autre de Darren Henry en première période. Mais ce soir, l'Olympiakos était trop fort. Et le dernier shoot de Dejan Herod à l'image de son match. Vraiment pas de réussite pour Dejan Herod dans cette partie. Et score final, l'Olympiakos s'impose de 13 points. 70-57. Et vraiment, un petit regret parce que ces 13 points d'écart n'illustrent pas vraiment la partie. L'ASVEL, je le rappelle, était à 50-50 à 6 minutes tout rond de la fin de cette rencontre et a encaissé donc un différentiel de 13 points dans les 6 dernières minutes. Aidé un petit moment par M. Radic, mais on ne va pas non plus forcément en rajouter. L'Olympiakos a bien maîtrisé également sa deuxième mi-temps. 13 points d'écart, c'est vrai que ça ne reflète pas véritablement le score. Mais à la fin, dès que l'équipe grecque a réussi à faire un petit peu l'écart, les joueurs villeurbannais ont été obligés de faire des fautes pour provoquer la maladresse au lancer franc de l'équipe grecque. Ce qui n'a pas été le cas. Et donc l'écart s'est agrossi pour arriver à 13 points à la fin. C'est un petit peu dommage, mais l'équipe de Villeurbanne a vraiment montré des choses très intéressantes qui prévoit un retour jeudi très chaud pour l'équipe de l'Olympiakos à l'Astrobal. Et à n'en pas douter, l'équipe de Greg Bognon va avoir trouvé des ressources pour pouvoir inquiéter cette équipe, l'équipe d'Ivkovic, et puis essayer d'égaliser pour pousser les joueurs athéniens à la belle. L'Astrobal qui, on l'espère, mais on n'en doute absolument pas une seule seconde, sera archi-comble jeudi donc pour le dernier match de l'ASVEL, quoi qu'il arrive de toute façon à Villeurbanne en Euroleague cette saison, puisque la belle, s'il y en a une, se disputera en Grèce et qu'ensuite c'est le Final Four à Munich. Tout ça sera bien sûr sur notre antenne. Eh bien, ma foi, on va se quitter en vous donnant rendez-vous donc jeudi, dans deux jours, hein, dès jeudi à 20h30 pour le match retour de ce quart de finale où l'ASVEL recevra dans sa salle cette fois-ci l'équipe d'Olympiakos. On n'a malheureusement pas pour conclure les statistiques, mais je pense que la différence est beaucoup faite au lancer franc et effectivement à l'adresse à deux points, alors que l'ASVEL a, ma foi, bien lutté au rebond pendant les trois quarts du match. Allez, voilà, on se quitte sur ces plus belles actions de la rencontre et on se retrouve donc, nous, Philippe et chers téléspectateurs, avec une surprise, je vous l'annonce déjà, jeudi à 20h30 pour le match retour. Bonne fin de soirée, au revoir. Bonsoir.